Et on va regarder ce que ça nous donne. Hein. Peut-être qu'il va s'enlever tout seul. Hein. Non, mais je ne savais pas, hein. L'IA, on sait un petit peu prédire sans trop prédire non plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il va m'attaquer ici, ça c'est sûr, et qu'il va encore m'attaquer ici aussi, ou ici. En tout cas, il va attaquer, ça c'est sûr. Il va essayer de nous faire très très mal, comme il nous a fait très très mal le coup d'avant. J'ai remarqué que mon ton de voix est un petit peu moins enjoué. Et il repasse dans le trou, il attaque là-bas, avec, oui, boum. On n'a pas pu tenir non plus. Et il repasse dans l'œil. Il nous ouvre une position. Mais il va la refermer ou pas? Ou pas? Il n'a pas l'air. Non, il ne referme pas. Et on ne perd rien là-bas. Ok. Ouh. On a quand même perdu du monde. Mais moins qu'eux. On a notre combat armure. On a notre Rocky. Pour le moment, c'est Rocky 1. Et on a notre Light Armor Army. Ok. On a du trade que j'ai pas besoin, du syntaxe que j'ai pas besoin. Donc, aucune carte intéressante. Et nous avons encore des munitions. Et nous avons beaucoup plus maintenant. Ici, 33. C'est parfait. Par contre, notre ami là a dû prendre un petit coup de danger dans le nez. 8. Mais ça va, c'est pas mortel, dirons-nous. Alors, commençons par les ma petit coup de voir un petit peu ce qu'on a reçu comme middle là. Alors, notre TKV, voilà, on gagne 31 points en plus. Là, on gagne 5 PP, tac-tac, tout ça, c'est parfait. Urgent issue, ben oui, il n'y avait pas grand monde, hein, effectivement, qu'on aurait pu remballer. Notre demande, nous sommes maintenant à 448 pour 471, donc il nous en faut 23. Et les 23, on devrait les recevoir dès qu'on a terminé un de nos BP, un de nos bidules qu'on a construit. Ensuite, le trésor, 20%. On a gagné 8 crédits. On gagne tout ce qu'il faut. On a vendu de l'eau, très bien. Et donc, on a gagné un tout petit peu de sous par rapport au truc normal. Ensuite, décision archive. On n'a pas grand-chose, on a un rapport de commandant. Alors, les attaquants de Wilhelmnitz-Reich ont perdu un leader. Ils ont perdu le commandant Erika Wolf, qui était celle qui s'occupait des avions. Bien, et c'est tout. Tu m'as pas donné de nouvelles. De nouvelles trucs là. Ok, donc tout ça c'est fait. Archéologie, est-ce que tu voudrais encore me redonner un truc en plus? Non, tu ne veux pas. Notre construction c'est fait. Tiens, regardez, un point, un tour. Ça me dirait bien que il a eu un petit pépin, comme d'habitude, et 0,8 tours. Montre-moi un peu tout ça maintenant. Les décisions. Oui, et une décision ici. Zandmark est occupé de plaque mêlée. Sacré Zandmark, va. Hein? Bon, je peux te payer quoi? 180. Donc c'est beaucoup moins cher que ce qu'on avait dans le temps, hein, quand même. On gagne 5 points, ou on gagne 10 points. De 83, on passerait à 93. Je suppose que ça doit être à peu près ça. Je ne sais pas très bien où ils sont, mais voilà, besoin de marque. Il est à 83. Soit tu te donnes 10 points, je monte à 93, soit je ne monte que d'un point. Plus 1, plus 1, plus 2, plus 3. Je gagnerai un point.
de différence ici. Par contre, 6 et 5, ça ne changera strictement rien puisque mon mind va pousser sur l'autre qui était là. Et nous, comme j'avais prévu, 53, 54, on n'est toujours pas réussi, mais le coup prochain, on va enfin passer en méritocratie, s'il n'y a pas une connerie qui vient différente. On prend un petit coup comme ça, c'est bon pour moi. Military recherche, nous avons fini. On va se prendre quoi? On va se prendre des side-skirts. Je ne sais plus si les side-skirts jouent avec les mechanized. Et nous avons trouvé un mechanized. Nous avons trouvé un mécanisme. Donc ici, nous pouvons remarquer quoi? Il n'y avait pas assez de monde. Ok, comme d'hab. Hein. Là, je vais le descendre à 25%. Et je pourrais le remonter à 100% s'il y avait la possibilité. Ensuite, ici, j'ai du 0,8. Du 0,8 et toi, tu es à du 25%. Toi, je pourrais te finir d'un coup. En te mettant à 100%, même si je perdrais 5. Ah oui, je ne serais qu'à 0,4 si j'avais ça. Pour assurer le coup, on va se mettre là. On va se mettre ici. 50%. Et Hanson. Allez, je ne suis pas hyper pressé pour avoir ce truc, donc ok, c'est bon. Mon modèle, et ça m'intéresse, c'est la mec artillerie qui me donne un design de 93. Oui, pas de design qui n'était pas si mal que ça. Mais qui nous donnait. Donc, si on regarde notre weapon design, on regarde combien de fois il peut tirer. Il peut tirer deux fois. Il peut tirer deux fois. Il peut tirer deux fois. Il a un moins 60, bien entendu. Pas content du tout de mon design. Mais nous avons besoin maintenant de travailler ça et ça. Alors, on n'a malheureusement pas les gaz powerhead. Donc, je n'ai pas besoin des gaz powerhead pour faire mes machine guns. Par exemple, par contre, ça serait très bien d'avoir les gaz powerhead, gaz powered, pardon, small arm ici, pour les infanteries. Pourquoi je dis ça? Parce que ça permet de diminuer la consommation de munitions pour tout ce qui est carabine, automatique, etc. Par contre, ça diminue également les munitions de la mitrailleuse, mais si vous le faites, ça va également diminuer le firepower, par contre. Ça vous diminue pas mal quand même le firepower. Et donc, c'est pas tellement intelligent d'utiliser. Enfin, si vous avez des gros problèmes de munitions, oui. Mais si vous n'avez pas de gros problèmes de munitions, il vaut mieux ne pas avoir les gosses, il vaut mieux ne pas avoir ça sur vos machine guns. Donc on va commencer par les machine guns. On va se faire un nouveau modèle de machine gun. Mes machine guns pour le moment n'étaient qu'à 79 ici. On va monter ça, mon cher ami, d'une manière VV'. Là, on va enfin commencer à faire bobo à tous ces gens-là. Sélection, high speed machine gun et combat armure. Boum, 200 d'armure, c'est parfait. Tu t'es enlevé de ma forêt, je vais y retourner. Et toi, tu vas y aller aussi. Voilà. Il faut que j'enlève ça. On va commencer par ça. Autant monter un petit peu hein, ces trucs-là. Voilà.
une petite Y. Et nous allons donc venir faire de l'air icône d'abord. Toi, tu as 50 XP. Et toi, tu as 18 XP. J'ai pas tellement envie de perdre mon 50 XP, quoi. C'est ça que je veux. Je suis occupé de réfléchir. Donc, pour une fois, je vais faire de l'haricot là-dedans. L'haricot, si on peut dire. Fais-moi une haricot là-dedans. Haricot, haricot. Parce qu'il y a des buggies. Hein. Et les buggies, ça peut me les buter. Voilà, on a 217 cette fois-ci de vision. Alors, on va faire. Je me demande si c'est Z. Non, ça c'est du zone border. Je veux de l'air attaque. Alors, de l'air attaque avec ceci. C'est pas très intelligent, hein, je sais. Mais 347, ça c'est dangereux. Hein. Un compte 19. Pouf. Non, c'est pas. Pas intéressant du tout de faire ça. J'ai, je vais dire, plutôt 217 de reconnaissance. On va faire notre attaque. D'abord une petite attaque avec notre switch ranged attaque. J'attaque avec ceci. Vas-y. Essaye de me faire toucher quelques blindés, ça serait génial. En voilà un qui a été touché. Readiness 29. Sinon, ils sont tous assez bons. Ils ont tous 58, là. 62, 77. Allez, mon gars, continue à essayer de toucher des petits trucs. S'il m'a touché qu'une seule, que deux fois. C'est pas beaucoup, mec. Hein. SHQ, SHQ, qu'est-ce que tu m'embêtes? Et je tue quelqu'un. C'est bien. 1, 3, 4 touches et un mort. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Ça va en tout cas nous aider, ça c'est certain. Maintenant, il nous reste notre attaque régulière avec tout ce qui est de cette couleur-ci. Pas toi. Mais toi, oui. Et toi aussi. Voilà, on a 2.3 d'attaque dessus. 2.3 d'attaque dessus, on a 60 ici. Et il y a encore celui-ci. Voilà, 3.4. Toi, non, non, je veux pas le perdre, hein, faut pas rêver. 3.4. Toute personne qu'on rajouterait nous ferait que des problèmes, par exemple. Voilà, tu vois, 2.7. Puisqu'on passerait de 60 à 30%. 3.4. Allez, j'espère que ça va passer, mais c'est pas sûr. Hein. Ceux-là, ils sont très, très, très embêtants. Ils touchent, hein, oui. Il n'y a que eux, c'est à peu près que eux qui touchent. Enfin, non, ils touchent, mais tout le monde touche. Hein. On en fait reculer, en tout cas, quelques-uns. On n'a pas trop perdu pour l'instant. Oui, ceux-là reculent, c'est parfait. Ça va peut-être aller. Non, même auto-recul. Ben oui, ils n'ont plus d'AP, malheureusement. Et aussi, ici, ils vont être partir le tout prochain aussi. Il ne nous reste plus que ces gens-ci. Et donc, on n'a plus, on va plus avoir notre encerclement. Tu vois, concentrique de 60, le tour prochain, il n'y a plus. Enfin, si, il reste deux, quoi. Il en reste deux. Mais on devrait les avoir quand même. Oui. Dernier tour, 0 AP, 6 AP, attaqueur 1,
tout juste, tout juste, tout juste, tout juste. Tiens, 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 tiens. Ok. Ça, mes petits-enfants, je peux vous dire que je suis heureux d'y être arrivé, enfin. Donc, ça, un qu'on a réussi à faire reculer. Regardons qui est-ce qui va passer là-dedans. Ceux-ci vont se faire, peuvent se faire attaquer par trois. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a un petit monsieur qui est en mauvais état. On n'a pas grand-chose à pouvoir bouger là-dedans. Combien est-ce que j'en ai? J'en ai un, deux, trois. C'est normalement suffisant. Bien qu'ils ont tous eu un méchant coup dans le nez, mais je peux, ceux-ci, je peux les travailler. Donc toi, je peux te rajouter une mind troop. Bien. Je ferme. Ici, tu es deux line troop. Moi, pardon, exit. Je te remets deux line troops. Ok. Donc maintenant, vous vous sentez beaucoup mieux et nous pouvons également ajouter un petit véhicule ici. Surtout qu'il a un bunker buster, il est très très bien. Un petit monsieur ici. Ça coûte déjà un peu plus de fric, mais on a tout ce qu'il faut. Alright, donc vous avez bougé. Ici, touc, il n'y a rien qui peut venir à mon avis là. À part peut-être la milice. Qui pourrait aussi venir ici avec son copain. Ouais. Et toi, viens ici également. Bon. Ensuite, vous passez tous. Pas tous. En tout cas, les oranges ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a trois brins. Deux. Et un orange. Ici, est-ce que j'ai d'orange? J'ai deux oranges. Non. J'ai un orange et un brun. J'ai un orange et un brun. J'ai deux bras, c'est ça, ouais. Donc, viens ici, et toi, va là-bas. On va remplir les munitions là-dedans. Toi, tu te reprends. De toute façon, tu pourras pas. Ok, 200 points. Toi, la MG, je vais pas la bouger, je vais juste augmenter mes troupes ici, pardon, je me trompe, deux boutons, vous deux là, vous montez, ok, machine gun je repasse pas puisque le tour prochain, je l'aurai à nouveau, 19. 19. Voilà, 19, je vois du tout. On peut plus dire qu'il n'y a pas de problème là. Je ne fais pas les machine guns. Et c'est fait. Alors, on va d'abord faire une reco avec toi, je vais faire une reco. Avec toi, d'abord, un reco. Next round. Pourquoi je suis avec lui? Parce qu'il lui reste un max de points. Et on a vu que l'autre, avec 4 seulement, il pouvait me faire de l'attaque. Donc maintenant, je peux lancer une attaque avec les deux avions. Ah non, il n'y en a plus qu'un. Il y a toujours le même. Ah bon, tiens, bizarre ça. Bon, ben vas-y, mec. Moi, une petite attaque là-dessus.
Et essaye d'en buter quelques-uns pour monter un petit peu ton. D'accord, je n'ai rien dit. Non, je n'ai absolument rien dit, les enfants. Alors, nous avons 528 points. Nous avons 1000 points. Nous avons 160 points. Il n'en faut que 80 là-bas. Nous avons 170 points. Prends-toi un tout petit poil en plus, mec. Alors, on prend 90%. Voilà. Tu as comme ça plein de points à distribuer, mon ami. Toi, c'est quand même beaucoup, mais ça ira. Ça ira, ça ira. Alright. Bon. Eh bien, on est reparti. On est reparti pour un. Ah non, je veux envoyer à Hanson 4006. Je t'envoie encore quelques colons, 200 colons, en tant que worker. Ce coup-là, c'est parti. Summer.